Bonjour à toutes et à tous. Alors, on vous avait promis que si vous étiez sage, on ferait une vidéo. Et vous avez été très, très sage. Je dois dire que vous avez été 17 212 à être hyper sage. C'est le nombre de voix qu'on a obtenu avec Marie au premier tour ici aux élections législatives, avec 43 quelque chose. Et ben voilà, quoi. Donc c'est bien, c'est un bon résultat. Notre adversaire de La République En Marche, maire de Mont-Saint-Barreul, Rudy Agès, lui fait 24%. Donc c'est bien parti pour le deuxième tour. Mais c'est pas de ça dont on voulait vous parler. Avec Marie, on voulait vous parler de la canicule. Alors Marie, il va faire chaud ? Très chaud. Très très chaud. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la canicule, c'est pas juste un problème de chaleur, mais que c'est un sujet politique ? C'est un sujet politique parce qu'il va faire chaud partout, notamment dans les bâtiments publics, tels que les hôpitaux par exemple, qui ne sont pas équipés correctement. Dès qu'il fait chaud à l'hôpital, c'est 35 degrés dans les chambres. Donc imaginez un patient qui est malade, qui n'est pas bien et qui doit supporter 35 degrés dans sa chambre minimum. Et on n'a pas les équipements pour le rafraîchir. Et il y a aussi les logements. Tu sais, les logements non rénovés par Macron, qui avait promis 700 000 par an, là. Il va faire un petit peu chaud dans les habitations, là, notamment dans les quartiers populaires. Ah bah, il fait froid en hiver, il fait chaud en été. Donc, on fait comment ? Comment vont vivre les gens, là ? Comment ils vont faire pour supporter la chaleur ? Bonne question. Enfin, moi, pour le moment, j'ai pas la réponse, parce que je sais pas comment ils vont faire pour 40 dehors, 40 dedans. Voilà, le corps humain n'est pas prêt à ça, en fait. Mais on a des propositions dans le programme, du coup, pour traiter ces problèmes-là, que ce soit l'hôpital ou le logement. Tu vas défendre quoi, toi, à l'Assemblée nationale, quand tu seras dans la future majorité ? La rénovation de tous les bâtiments publics, privés, et pas aux frais du concitoyen, mais aux frais de l'État. Aux frais de l'État. Parce que là, pour le moment, si vous avez du fric, vous pouvez payer, donc vous pouvez rénover votre logement. Sinon, vous ne le faites pas parce que c'est trop cher. Clairement, c'est trop cher. Une pompe à chaleur à l'heure actuelle pour remplacer votre chaudière à gaz ou votre pompe à fioul, c'est 20 000 euros. Ouais, non, mais ils avaient fait des aides là, mais c'est trop minable leurs aides qu'ils avaient fait là pour changer sa chaudière au fioul. Puis surtout, une fois que tu l'as changé, si t'es passé à l'électricité. Tu payes les augmentations d'électricité. Voilà. Et donc, c'est pourquoi il est essentiel de. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bloquer les prix. Il est trop bien ce programme de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Il répond aux problèmes concrets des gens. Et on avait aussi un sujet il y a une dame qui veut se garer. Désolé, on est en direct, madame. Les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Ouais. Tu vois, quand il fait chaud, l'eau, c'est bien, non ? Quand il fait chaud, faut s'hydrater plus. Déjà, de base, faut s'hydrater 1,5 litre d'eau par jour. Mais quand il fait chaud, faut boire encore plus et faut s'humidifier le corps. Donc voilà, les premiers mètres cubes d'eau sont vitales. Ouais. Ils sont vitales. Et sans eau, l'être humain ne vit pas, mais pas seulement, on ne se nourrit pas. Parce que sans eau, on voit bien l'agriculture, on ne fait rien pousser. Ouais. Donc l'eau est vitale. Donc, premier mètre cube d'eau gratuit, rénovation des logements, pour l'hiver comme pour l'été, faire en sorte que l'hôpital public ait les moyens de faire en sorte qu'il ne fasse pas 35, 36 degrés sur place. Mais pas que dans les hôpitaux, les écoles. Ouais, les écoles. Les écoles, comment voulez-vous que les lycéens qui sont en bac pro là et qui commencent demain le bac et qui vont devoir plancher sur leurs examens par 35, 40 degrés dans les classes, on fait comment ? On fait comment pour plancher correctement quand il fait 40 degrés et qu'on a chaud ? C'est pour ça que c'est important d'avoir des députés qui ne sont pas hors sol, vous voyez, qui sont concernés un peu pour les problèmes concrets. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que là, c'est chaud pour Marie. Hein. 406, on est dans 406 circonscriptions au deuxième tour, donc 289, c'est jouable. Donc Marie Bouknog à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait jouable. Hein, Hugo à Beauvau, on verra bien, mais Marie Bouknog à l'Assemblée, c'est quand même, ça se tient. Ça se tient. Je vais juste terminer la vidéo, savoir un peu, Marie, comment on fait un dimanche d'élection pour faire passer le temps ? Est-ce que tu as une technique secrète ? Je cuisine parce que toutes les personnes qui viennent fêter l'élection avec nous, il faut bien qu'elles mangent. Et chez nous, on fait maison, on fait bio. On n'a pas fait que maison, mais on a fait notamment maison. Les trois quarts étaient maison quand même. On fait maison, on fait bio, on fait bon. Et du coup, ça se passe dans ma cuisine.
Voilà, truc et astuce de Marie pour les dimanches d'élection. J'étais pas toute seule. Hein. Non, elle était pas toute seule. Moi, je faisais le tour des bureaux de vote. Bon, c'était la cuisine électorale. Bon, exactement pareil. Hein. Chacun sa cuisine. Hein. Peut-être que dimanche, tu feras peut-être le tour des bureaux de vote. Non, tu vas refaire à manger. Je pense que je vais refaire à manger parce qu'on attend peut-être plus de monde encore. Ok, bon. Eh ben, on va faire ça et moi, je tirerai des bières. On fera ça. Pas trop. T'es pas attendu sur un plateau? Ah si, je serai sur un plateau télé aussi. Bon, on se débrouille, on va y arriver. Et à la fin, de toute façon, c'est nous qu'on va gagner. Marie, je te laisse le mot de la fin. On lâche rien et on va voter.